Monsieur le Président, Rio+20 a été plutôt décevant. La Chine, le Brésil, l'Inde, des empêcheurs de tourner en rond, on se croirait en Europe. Vouloir s'indigner en tant qu'Européen de l'insuffisance des résultats au terme d'une conférence qui n'a duré que quelques jours relèverait plutôt du culot, eu égard aux difficultés que nous rencontrons au sein de l'Union européenne pour trouver des solutions à nos problèmes à 27 ou à 17. D'abord, les résultats ne sont pas tout à fait nuls, et ensuite, des résultats insuffisants ne devraient servir en aucun cas de prétexte à l'inaction de l'Union européenne. Soyons exemplaires, soyons créatifs. Commençons déjà par rester fidèles à nos engagements en matière de financement de l'aide publique au développement. On est loin du compte. L'atténuation des effets du changement climatique sur les pays en développement doit être de l'argent additionnel par rapport à l'aide publique au développement classique. On est des années-lumière de cette exigence. Donnons-nous des objectifs contraignants basé sur des critères de développement durable et exigeants. Soyons le modèle de durabilité duquel pourront s'inspirer les autres espaces géographiques et économiques. Merci au commissaire tout de même qui a une hauteur de vue requise pour contribuer à faire bouger les lignes.